Salut à tous, c'est Ivanel, bienvenue dans ce Let's Play Sword Art Online Fatal Bullet. Précédemment, on aura reçu énormément d'informations de la part de Kirito et de son groupe. Il y avait beaucoup de choses à intégrer, donc maintenant, je me pose la question, est-ce qu'on va pouvoir sortir sur le terrain et mettre tout ça en pratique, en application? J'en ai profité pour voir un petit peu, retourner dans les menus et tout ça, pour essayer d'assimiler tout ce que je pouvais assimiler. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai clairement pas tout retenu, donc pour l'instant, on va faire au mieux. Ah. Master ! Master ! ちゃんと私の後をついてきてください。迷子になったら大変ですよ。迷子になりかけていたのはあなたでしょう。はじめまして。私はデイジー。アファシスタイプ X です。急に走ったら危ないわよ。デイジーちゃんと迷子ちゃん。マスター、私の運動に関するプログラムは規定値をクリアしています。この程度の走行で転倒や衝突は起こしません。どうかご安心を。あなたたちのような可愛い子には別の危険もあるの。私のそばから離れてはダメよ。承知しました、マスター。あなたが迷子ちゃんのマスターさんかしら？この迷子ちゃんはうちのデイジーちゃんと同じタイプ X でしょ？レア中のレア。GGO 中で注目の的の。ね？ Ok, d'accord, autrement dit, on a un type X nous aussi, mais on n'est pas les seuls quand même. Il y en a d'autres. D'accord, d'accord. Ouais, c'est vrai. 噂は聞いているわ。幸運なニュービーさんよね。でも、幸運がいつまで続くかはわからないわ。目を離したら誰かに盗まれちゃうかもしれないわよ。アファシス、特にタイプ X の使用は明らかにされてないけれど、アイテム扱いなら所有権を移動する方法はいくつかあるもの。OK. D'accord, d'accord. Je n'aurais jamais cru qu'il se perdrait. On va répondre ça. 本当に何も知らないのね。総督府の告知はチェックしているの？アファシスは GGO 初の大型アップデートの目玉なのよ。自発的に考え行動できる高度な学習型 AI を搭載。特にタイプ X はそれぞれに個性が設定されたプログラマー泣かせの仕様なの。さらに戦闘だけじゃなく、マスターの資産管理、あらゆるサポートまでしてくれるのよ。実は、SAO のメンタルヘルスカウンセリングプログラムを参考に。あ、d'accord, ok. D'accord, autrement dit, c'est comme Yui et Estrella. On en revient toujours à ça, en fait. On en revient toujours à Sword Art Online. C'est vraiment la base, ça. Ce qu'il a fait, comment il s'appelait déjà? C'était Kayaba, je crois.C'est vraiment la base, quoi. Sankoni? Ma, kore wa akumade mo uwasa da kedo, player no kanjou ni hannou suru koudo na chisei o motte iru no wa jijitsu yo ne. Tonikaku, seinou men kara itte mo, visual men kara itte mo, GGO juu no player ga hoshigatte iru sonzai yo.だからタイプ X を街中で連れ歩くなんてよほど腕に自信がなければただのおバカさんですわ。まああなたの場合はアファシスを持っていることをみんな知っているから気にしても仕方ないかもしれないけど、奪われるのが嫌なら大切なものを守るだけの力をつけるか、強いプレイヤーのスコードロンに入るのも一つの手ね。OK, ouais. D'accord, j'en assurerai la protection de mon mieux.
Ouais. En tout cas, ouais, voilà, merci pour la mise en garde. C'était de bons conseils. Ara, sanao nano ne. Souyu ko wa kirai janai wa. Watashi wa Zeliska. Yoroshiku ne. Ok, Zeliska. Sou sou. Anata no Afashisu. Sakki uchi no Deiji-chan to tomodachi ni natta mitai nano. Type X to atta no wa hajimete desu. Yoroshikereba, kongo mo jōhō koukan sasete kudasai. Mochiron desu. Tokoro de Maigo-chan, anata no koto wa nan to yobeba ii no kashira? Master no otomodachi ni wa Dei-chan to yonde itadaite imasu. Hontou no namae wa Master dake no mono nano desu. Sou nano. Yoroshiku ne, Dei-chan. Yoroshiku onegai shimasu. Dei-chan. Ii wa ne. Abashisu ga futari narande iru tsu. Demo, onaji type X nano ni, seikaku wa zuibun chigau mitai. Ouais, d'ailleurs, elle, j'ai vu, elle s'appelle Daisy, apparemment. Est-ce que ça fonctionne pareil? Est-ce qu'elle aussi, elle a un autre nom? Nani yori master inai no hito ni namae o yobareru no o iyagaru nante, sonna seikaku sette. Ah d'accord, autrement dit c'est pas pareil. Ouais, ok. Donc c'est vraiment la seule qui fait ça. Ouais. Ouais voilà, c'est... Enfin, unique ça j'en sais rien, mais... Apparemment c'est pas pour toutes la même chose. En tout cas, ouais voilà, on va dire que c'est mignon. マスターが個性を肯定してくれるから、この子は生き生きとしているんでしょうね。初心者が偶然手に入れたと聞いたときは心配したけれど、よかった。マスター、そろそろ設定された。お時間です。いけない。今日はもうログアウトしなきゃ。それではまたね、レイちゃん。 D'accord, d'accord. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ok, nouveau message. Ouais, franchement, c'était de bons conseils et donc on en revient toujours au même point. Il va falloir... il va vraiment falloir progresser assez vite. Du coup, qu'est-ce qui se passe là? Kurea. Ivanel, tu es là. C'est Kurea, j'ai une question à te poser. Je t'attends dans ta chambre. Ah, mince. Ok. Autrement dit, on va peut-être pas pouvoir sortir tout de suite finalement. Du coup, je... Ouais, je suis en ville. Bon, ben, faut qu'on retourne dans la chambre, hein. On va voir. On va peut-être pas pouvoir combattre maintenant. Votre chambre. En tout cas, Zeliska. Bon, ok. Elle a l'air expérimentée quand même. Parce que elle a aussi un type X, mais elle a pas dû l'obtenir comme nous, en fait. Ça devait pas être de la chance. Autrement dit, je pense qu'elle est assez balèze. Du coup, information. De quoi s'agit-il? つまり私は宇宙船SBC フリューゲルに入るための鍵になります。つまり文字通りのキーパーソンです。偉いでしょう。 Ok, du génial à l'état pur. Laisse-moi te tapoter la tête, ouais. Ouais, bon, on va faire ça, on va faire ça. Parce que si ça se trouve, la première, c'est de l'ironie, quoi, donc... on va juste lui tapoter la tête. ありがとうございます、マスター。で、相談というか報告なのですけど、私はまだヘナチョコなので、強化しないと影になれないのです。それってどういうこと？私の機能は現在完璧ではありません。昔SBCフリューゲルが墜落した時の衝撃で、フィールドのあちこちにパーツを落としてしまったのです。 Ouais, d'accord, il va falloir qu'on récupère les pièces manquantes. Ok, ça doit faire partie de sa quête en fait. Ça doit faire partie de la quête d'un Arphasis de type X, j'imagine. その後すぐにスリープ状態になり、マスターと会うまでずっと眠っていたので、パーツを落とした場所もあやふやです。パーツがなければ、私はヘナチョコのままです。マスター、 Ouais, carrément.
爆撃機や戦車になったりもできるかもしれません。OK, かもしれません。Ouais. Autrement dit, enfin peut-être, mais c'est plutôt un peut-être qui veut dire que ce sera pas forcément le cas, quoi. D'accord. Narudo, Aphasis no kyouka quest te wake ne. Type X dokuji no mono nano kana. Ouais, voilà. Voilà. Invitons Kirito et sa clique, ça c'est sûr. Mais. On va en profiter en fait. On va chercher ces pièces tout en essayant de gagner des niveaux. Ça semble, comment on dit, faire d'une pierre deux coups, quoi. Master, zehi onegai shimasu. Watashi ga tsuyoku nareba, motto o yaku ni tateru you ni narimasu kara. Motto, ne? Master mo taihen ne. Ok, ouais, d'accord. On vient de commencer une quête principale donc. Il va falloir retrouver ces pièces. Battez le boss du centre de contrôle du désert des ruines. Ok, et puis c'est carrément un boss à vaincre. Alors que j'ai même pas commencé à combattre. Ouais. Bah du coup, voyons voir. Est-ce qu'on peut sortir maintenant? Sortir, SBC Glocken, voilà. Cette fois-ci, voilà, on a un objectif concret. Commencer à chercher ces pièces. Et ça va permettre de prendre des niveaux tout en le faisant. C'est vraiment l'idéal. Inviter Kirito et les autres, bien sûr. Mais peut-être pas tout de suite, en fait. Peut-être pas tout de suite, parce que d'après ce que j'ai vu, Kurea, elle est déjà niveau 17, et les autres, ils ont l'air assez forts aussi. Autrement dit, là, ce que j'ai envie de faire, c'est de sortir sur le terrain et de voir si on peut commencer à combattre. Mais le problème, c'est que si j'invite Kirito et les autres, ils vont être forts, quoi. Et le truc, c'est que... Ben, c'est plutôt moi qui dois apprendre des choses, là, pour l'instant. Donc, s'ils sont là, ils risquent de vaincre les ennemis trop rapidement, voyez ce que je veux dire. Et moi, je vais rien apprendre. Donc, pour l'instant, on va pas forcément les inviter. Je veux juste découvrir tout seul... Ah oui, c'est vrai qu'il y avait plein d'événements à voir en ville. Il faudra qu'on s'en occupe, mais pas tout de suite. Là, franchement, je veux sortir. Ok, téléporteur, voilà. Est-ce qu'on peut s'y déplacer rapidement? Voilà, allez à cet endroit. On va tenter une première sortie. Je sais que j'ai Kurea dans l'équipe, ce sera amplement suffisant. Elle est déjà niveau 17 de façon, donc si jamais ça tourne mal, elle pourra nous tirer d'affaire. Mais pour l'instant, c'est surtout moi et Elena qui doivent prendre des niveaux et apprendre un petit peu comment ça se passe sur le terrain. D'accord. Téléporteur. Voyons voir, les événements sont là. Il s'agit de Yuki apparemment. Et je crois qu'il y en a un autre un peu plus loin. Je crois que c'est Rain. Ouais, c'est Rain. Avec les cheveux rouges comme ça. Bon alors du coup, c'est ici qu'on sort. Où aller? Hall désert. Voilà, c'est ça. Désert des ruines. Le hall, je pense que c'est le truc du gouverneur là. Du coup, voyons voir. Il est temps de faire nos premiers pas. Espérons que ça se passe bien. J'ai relu un petit peu les tutos comme je l'avais dit, mais les tutos et la pratique, c'est deux choses différentes. Surtout que, ouais, que je me souvienne des boutons. D'accord. Niveau supérieur, vous obtenez des points d'expérience en triomphant des ennemis, ouais. Lorsque vous en avez suffisamment et retournez au SBC Glocken, vous pouvez passer au niveau supérieur. Ce faisant, vous n'augmentez pas simplement vos PV, mais vous gagnez aussi des points de personnalisation à utiliser. Ok. Ok, ok. Déplacement rapide. Vous pouvez vous déplacer dans différents lieux de GGO en ouvrant la carte depuis le menu principal. Une fois sur la carte, il vous suffit de choisir un lieu à visiter dans la liste des destinations pour vous y rendre. Notez que vous ne pouvez pas utiliser le déplacement rapide lorsque vous êtes en combat. Vous pouvez également maintenir option pour ouvrir la carte. D'accord, maintenir option. Ok. Effectivement. Oh la vache. C'est ça la carte. D'accord, vous êtes ici. Les points rouges, ça doit être des ennemis, ok. Bon, j'y comprends pas grand chose, honnêtement. Même si je peux voir le point d'objectif, apparemment, mais... On va voir, hein. Allez. Ah oui, ça c'est vrai que c'est la carte du monde.
Ok, on est tout en bas à droite. Bon, alors. Ah bon ? Désert des ruines, ok. Du coup... Ah oui, voilà, oui. Mission épuisée, voilà, recharge. Attends, t'approches pas, toi. Ok, ouais, voilà, c'est un peu ce que... À mon avis, Kurea, elle va vraiment se débarrasser des ennemis rapidement. C'est pas vraiment l'idéal dans la mesure où c'est à moi d'apprendre, mais... On verra bien. En tout cas, j'aime beaucoup le décor, l'environnement. Franchement. Surtout si je compare à... Ah, il y a des dialogues aussi. Sympa. Ok. Ouais, il y a des dialogues, mais ils sont pas doublés. Du coup, on peut les lire, mais ça nous dérange pas forcément non plus, donc c'est pas mal, ça. Ok, il y en a d'autres. Alors, attendez. Ouais, je disais que si je compare un petit peu à Lost Song ou Millennium Twilight, c'est franchement beaucoup plus beau. Ok. Il faut que je pense à recharger, hein. Attends, t'approches pas trop, toi. Ok, ça va assez vite, en fait. Ça va assez vite, j'ai peut-être pas trop à m'inquiéter. Bon, on est niveau 2 quand même, hein, donc j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Attendez, que je me souvienne. Il y a aussi le grappin. Attendez, le grappin, on va tenter. On va tenter ça. C'est ça, mais en mieux. Ok, voilà. Ah ouais, pas mal. Ah, ça c'est franchement génial. Alors, voyons voir. Ça, je m'en souviens, il faut... Ah, c'est pas facile, hein. Sérieusement, c'est pas facile à viser, attendez. Ah, s'il bouge trop, en plus. Voilà. Ok. Voilà, je peux me percher en hauteur et tout, puis je risque rien. Mais la visée comme ça, c'est pas mal, mais c'est pas facile en fait, c'est avec le stick droit. Et si je veux viser un point précis, c'est chaud. Faut vraiment que j'y aille doucement. Bon, enfin bref. Si je saute là, est-ce que je me fais mal ou pas? Non, ça va. Ça va. De quoi? Ah, je crois qu'il y a des ennemis là. Ah ouais, mais niveau 14. Oh, ok, on va peut-être pas s'approcher en fait. On va aller par là. Voilà, niveau 5, c'est déjà plus abordable. Faut que je me cache. Donc, voyons voir. Si je fais ça, c'est pas facile. Ah mince. Ok, c'est pas facile, mais ça marche. Ça marche. Ok, toi, t'as peur de rien, toi. Bon, en même temps, elle est niveau 17, donc j'imagine qu'elle s'en fout un peu, mais... Ce n'est pas mon cas, donc... Ouais. C'est bien ce que je pensais. C'est elle qui va les... C'est elle qui va les éliminer, du coup, si je fais rien. Ça, c'est pas bon, ça. Voyons voir. Je me cache, parce que... J'ai peur que des ennemis apparaissent. Ok, voyons voir. On va se cacher ici. Et on va viser. Ah mince, ligne de prévision. Ah oui, c'est vrai que je peux m'accroupir. Ouais, ça c'est bien ça. Ah mince. Waouh, qu'est-ce qui se passe? Elle s'est presque fait one shot. Oh, pardon. Niveau 14, ok, c'est la fin. C'est la fin. On s'en fout, on tire dedans, c'est la fin. Ah, c'est n'importe quoi. Ok, panique pas. Eh, ça passe. Ok, Lena, reste pas en plein milieu. Ah, d'accord, ok, il y en a un qui me vise depuis là-haut. C'est pour ça. Ah, je comprenais pas. Attendez. On va essayer de la voir. Voilà. Ah, masse recharge. Ah, c'est pas le moment. Ok, super. Ah, c'est lui qui m'a eu tout à l'heure. C'est pour ça que Lena a plus de points de vie. Ah, j'aurais dû prendre un soigneur. J'y avais pas pensé.
Mince. C'est quoi ça déjà? Attendez. Je vois des espèces de skills. On verra plus tard. Hein. On verra plus tard. À mon avis, elle va se faire tuer. Je sais pas comment je vais la soigner. Oh la vache. La vache, la vache. Il y en a plein là-bas. Niveau 4. Franchement, ça passe parce que les niveaux 14, on les a tués. Enfin, c'est peut-être Kurea qui les a tués, cela dit. On va peut-être pas trop faire les malins. Voyons voir. Non, il faut que je me place là-bas. Voilà. Ils m'ont pas vu. Ah, mince. Ok, super. Qui c'est qui me tire dessus? Ah, ça vient de par là. Ennemi mitraillette. Ah, mais c'est un joueur, ça. Ah ouais, d'accord. On a attaqué de tous les côtés, en fait. Voilà, c'est là où je compte sur toi, Kurea. Voyons voir si on essaye. D'aussi loin, ça marche. Ouais, ça marche, hein, je crois. Bon, ça va, ils sont niveau 3. On devrait peut-être s'en sortir. Si je me planque comme il faut. Ok, j'aime bien. Eh, c'est très dynamique, hein. Franchement, j'aime bien. Oh, le mec, il fait des trucs. Ah, mince. On va se faire tuer. Kurea, faut que tu m'aides. Elle va se faire tuer aussi. Oh oui, je l'ai eu. Je l'ai eu. Ah mince, il l'a réanimé. Ah mince. Allez, vite. Vite, vite, vite. Voilà, ça passe. Maintenant, il faut avoir l'autre. Ah d'accord, il le réanime en fait. Ah, c'est chaud, il le réanime et tout. Faut avoir les deux en même temps. Ah, ils sont mieux préparés que nous, j'ai l'impression. Ah, je vais mourir, je vais mourir. Eh, je suis mort. Ah là là. Ah, du coup, j'ai pas de soigneur. Si ça se trouve, personne peut me réanimer. Qu'est-ce que tu fais? Ah, d'accord. Ok, merci. D'accord, d'accord. Ok, on peut reprendre. Allez, vite. Il faut tuer l'autre, il faut tuer l'autre. Allez. Ah, l'autre, du coup, il est encore vivant. Tirez-lui dessus, tirez-lui dessus. Ah, mais c'est interminable. C'est interminable. Ils arrêtent pas de se ranimer mutuellement. Ah, ça y est, ils ont disparu. Ah, mince, du coup, on s'est fait encercler. Oh, la vache. Ok, le tout pour le tout. Ah, oh, c'est n'importe quoi. Ah, par contre, j'adore, c'est tellement dynamique. Ok, 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 ok. Vite, 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 recharge, recharge. Ok, c'est un peu... Je fais un peu n'importe quoi, mais... Je comprends pas tout ce qui se passe. Ah, mince, le scorpion. À mon avis, heureusement qu'il y a Kurea, parce que sinon, on s'en sortirait pas, je crois. Ok. Ah, mince, Lena, elle va se faire tuer. T'inquiète, j'arrive. Ok, ça passe. Oh la vache. En fait, j'avais peur que ce soit... Vu que c'est des armes à feu et tout, j'avais peur que ce soit... Qu'il faille juste se planquer et tirer au bon moment. Mais en fait, c'est super dynamique. Il faut se déplacer et tout. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Ok. Du coup, c'est là où on en était... Qui c'est qui a fait ça? J'ai vu une espèce de boulet. Encore un. Ah, c'est toi qui as un lance-roquette ou un truc du genre? Oh la vache! Oh mince! Mince, 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 le scorpion! Ouais, franchement, c'est vraiment excellent! C'est vraiment excellent! Ok, je comprends pas encore très bien ce que je fais, mais c'est vraiment bon! Donc, Kurea, tu as une
Une je sais pas quoi, je connais pas encore le nom des armes, mais... Elle a également un truc pour lancer des gros canons, là. Ok, faut que je récupère les objets. Oh la vache. Oh mince. Quelqu'un qui me tire dessus. Ah, c'est les trucs en haut. Ah bah ils sont morts. Celui-là. Ah mince. Ah, ça va être chaud. Hein. Ça va être chaud, il bouge. Ok. Et ça, c'est quoi? Automate d'élite, niveau 10. J'ai l'impression qu'il a deux barres de vie. Ah ouais, il est gros celui-là. Attendez, on va essayer de le viser. Ça lui fait pas beaucoup de dégâts. Ah ouf. D'accord, d'accord, d'accord. On va essayer de se rapprocher. Si je me cache... Ok, qu'est-ce qui s'est passé là? Allié soigné, d'accord. Ah mince. Mince, 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 Kurea, faut que tu m'aides. Il me tire dessus, du coup. Les navires restent pas là. C'est peut-être pas utile de se cacher tout le temps. Faut juste se déplacer, peut-être. Ah voilà, Kurea, elle fonce. Pistolet non identifié. Ah oui, il va falloir faire identifier les armes. D'accord, il faudra y penser à ça. Alors attendez, si je me rapproche... Tant qu'il reste où il est, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. On y est. On va l'avoir, on va l'avoir. Il est niveau 10, mais c'est pas grave, ça. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Ah mince, c'est parti. Ah, il se déplace et tout, hein. Oh, la vache. Où est-ce qu'il va? Wow, wow, wow. Ok, faut que je... Il me vise, ça va pas. Ok, faites quelque chose. Ah mince, il y a des scorpions aussi. Oh, on va se faire tuer, là. Attendez, comment on fait déjà? J'ai une autre arme, ça c'est vrai que j'avais équipé précédemment. Ouais, voilà. Faut que je recharge. Ah mince. Ah, ça tire qu'une seule fois, ça. Du coup, c'est à moi de tirer sans arrêt. D'accord. Ah ouais, c'est différent. Donc les armes, elles ont pas forcément la même façon de... Enfin, on tire pas forcément de la même façon, si je comprends bien. Là, il faut pas que je reste appuyé. Faut que j'appuie moi-même. Allez. Oh oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh oui, c'est bon. Uniquement mort, trophée. Métal rare, rapière. Rapière? C'est quoi ça? Pourtant, on est dans un... Est-ce que c'est pas des armes que j'ai, ça? Attendez, équipement. Équipement... Potion. Voilà, c'est ça. Azur Nocturne, lui, il tire pas de la même façon. Ça, ça va être un truc, il va falloir que je choisisse mes préférences. Alors, voyons voir. Ouais, on récupère des armes, si je comprends bien. Drakel, Sirocco. Et je peux pas les équiper, pourquoi? Ah oui, c'est vrai, il y a les stats requises. Il me faut de la force et de la dextérité au niveau 4. Et ça, c'est rapière SPB, force niveau 5, dex niveau 4. D'accord, d'accord, d'accord. Il faut que j'augmente ça, sinon je pourrais pas les équiper. Est-ce qu'on peut voir détail? D'accord, se distingue d'abord par sa crosse légère. Ok. Malgré son large chargeur, son processus de recharge simple et son faible recul, il reste très lourd et d'un maniement fastidieux. Et ça c'est quoi? Rapière SPB. Fusil d'assaut amélioré pour accueillir des balles spéciales. Ok. Ah, c'est pas mal qu'on ait les définitions des armes, parce que moi j'y connais rien, donc ça me permet d'apprendre. Ok. Et du coup si on fait... Ah voilà, c'est ça que je voulais voir. Waouh, elle est stylée celle-là, j'aime bien. Et l'autre c'est quoi? Drakel, Sirocco. Ah, c'est ça qu'elle a couréa, je crois.
Il me semble avoir vu ça. Potion azur. Ouais. Donc si je veux équiper ces armes, il faut que j'augmente mes stats. Et pour augmenter mes stats, il faut que je retourne en ville, si j'ai bien compris. Donc pour l'instant, je peux pas changer. Munitions presque épuisées. Voyons voir. Je crois qu'il reste un ennemi là-bas. On va bientôt retourner en ville parce que... Si j'ai bien compris, c'est comme ça qu'on augmente nos niveaux et qu'on peut distribuer nos points et tout. Donc il faut qu'on le fasse. Mais là, pour l'instant... D'accord. Aouh. Aïe, aïe, aïe. Ah, merci. C'est très sympa. Ok, celui-ci est mort. Il y en a un autre. D'accord, d'accord, d'accord. Où est-ce que ça nous mène, tout ça? FA de type Mido. Soldat mécanique. FA de type Mido, est-ce que c'est une arme, ça? Oui, c'est une arme. Force 4, dextérité 7. Oh la vache. Il faut clairement que j'augmente mes stats. FA de type Mido est un fusil d'assaut à part. À quoi est-ce qu'il ressemble? Ok. D'accord. Du coup, ça là-bas, c'est quoi? Ah, mince des scorpions. Ça va, ils sont niveau 6. On devrait s'en tirer. À condition de viser correctement. Ok, j'aime bien quand ça tire automatiquement, moi. Ouais, voilà, ça j'aime bien. Ça j'aime bien, mais les munitions, elles partent vite, par contre. Du coup, ça c'est quoi, ça, exactement? Ah oui, sur la carte, je crois qu'on arrive au marqueur d'event. Donc si ça se trouve, c'est là qu'on va trouver les pièces d'Arphasis. Donc on va pas y aller tout de suite. On va clairement pas y aller tout de suite. On va rentrer en ville, tiens. Je pense qu'il est temps de rentrer. Et de voir comment... Je crois que j'ai aperçu quelque chose par là-bas. Voir comment on peut attribuer les points et tout. Drone à pistolet. Bon, on reviendra de toute façon, on reviendra. On reviendra et cette fois-ci, j'essaierai d'inviter Kirito ou quelqu'un d'autre, mais... Alors attendez. La carte, où est la sortie? La sortie, elle est là, je crois. Je comprends pas très bien comment est foutue cette carte, mais... Ah, si je comprends, on est là. Et ça, c'était les bâtiments. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut se déplacer? Aller à cet endroit, oui. Ok, super. Ouais, ça va plus vite. Comme ça, ça permet d'atteindre la sortie plus rapidement. Franchement, c'est vraiment super. J'avais un peu peur au début, les armes à feu et tout. C'était pas trop ma tasse de thé, mais là, le style de combat me plaît bien, au contraire. Faut vachement se déplacer, anticiper, savoir qui viser. Et puis j'ai pas tout compris, hein. J'ai pas tout compris, mais franchement, ça me plaît. Alors, voyons voir. Ok, c'est ça la sortie. Allez, USB-C, Glocken. D'accord, donc ensuite on est évalué. Les ennemis vaincus, les ennemis uniques vaincus. Bon, je vois pas trop ce que c'est encore, mais... Armes obtenues, d'accord. Accessoires obtenus, j'ai pas fait attention. Matériaux, objets non identifiés. Ça, c'est intéressant, faudra les faire identifier. Et donc, prime totale 25 900. Bon. Écoutez, je pense qu'on va en rester là pour ce premier... Ok. La prime totale que vous avez gagnée dépasse 25 000 crédits. Obtenu 12 500 crédits. Yosh, level up. Master, level up. Ah, ça va. Ouais. Mada mada tsuyoku naru wa yo. Level up desu. Omete kudasai. Ok, d'accord. Ça va vite en fait. Niveau 2, niveau 5. Avec quelques combats. Et du coup, Kureas, pareil, elle a pris deux niveaux. Bah, en fait, on la rattrapera jamais parce que...
Si elle prend également des niveaux, on sera toujours un peu en retard. Bon, quelque part, ce serait logique quand on y réfléchit. Du coup, là, on est retourné en ville. Ouais, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter ici, c'est le bon moment pour faire une pause. Du coup, la prochaine fois, il va falloir que je distribue mes points. On regardera tout ça la prochaine fois. Et puis, il faudrait s'occuper des events aussi. Puisqu'on est là, on n'aura qu'à commencer par celui de Yuki et voir un petit peu ce que les personnages ont à raconter. Comme ça, après, je pourrais voir comment je vais faire pour essayer de les inviter. Puisque Kirito a dit que c'était possible. Donc, ça permettra de voir un petit peu. Et puis, bien évidemment, il faudra essayer de retourner faire des combats, d'identifier les armes et tout. Enfin bref, il y a plein de choses à faire. On verra tout ça dès la prochaine fois. Et puis, en attendant, moi, je vous dis bye. Salut à tous.